la menace du variant Omicron. Nous le freinons aujourd'hui avec succès, je le dis. La vague Omicron, elle, monte extrêmement vite. Les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas bons. Ils sont même les pires chiffres enregistrés en termes de contamination depuis le début de la pandémie. Assurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Mais que se passe-t-il? Vraiment, je ne comprends pas. Pas la peine de prendre vos grands airs. J'ai dit en face! Tiens, pendant que vous y êtes, ajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop! Hop, 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 hop! Mais qu'un artiste est. Votre masque. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. On veut pas mourir. Parce que on a quelques 200 et quelques cas qui ont été diagnostiqués dans notre pays. Mais quelques 200 et quelques cas comparés peut-être à 50, 100 fois plus d'ores et déjà chez nos voisins anglais. C'est de mémoire 88 000 cas positifs qui ont été enregistrés. Pourquoi notre stratégie d'isolement, de traçage, de contact tracing, de séquençage, de criblage est fonctionnelle? Très clairement, nous constatons en France ce que nous constatons dans tous les pays qui sont touchés par ce variant Omicron extrêmement contagieux. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on en aura fini avec le virus. Les personnes qui ont deux doses n'ont plus de chance d'attraper la maladie. 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles. A-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. On n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens. À partir du 15 décembre, il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Non, évidemment, il n'y a pas des milliers de morts cachés du vaccin. Parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux, la phase 3 est terminée depuis des mois. Je suis vacciné, j'ai mon pass sanitaire et j'ai eu le Covid il y a 3 semaines. Tous vaccinés, tous protégés. Oui, nous allons faire du macronisme un mauvais souvenir. Alors, quand ce fantôme aura quitté l'Élysée, quand la gauche aura perdu sa dernière marionnette, nous la remplacerons par la France. Nous remplacerons...